Je Bonjour débute. Suzanne. Oh. Bonjour. Et bonjour, au revoir. Et bonjour. Bonjour. Bueno, Wow. Suzanne, cuéntanos todos, vamos a ver qué pasa hoy contigo y vamos. Donc, on t'écoute, Suzanne. Raconte-nous ce que l'on va aborder dans ta session. D'accord. En premier lieu, bien, vis-à-vis de mon corps, j'ai une densité plus lourde du côté gauche. Dice que tiene una densidad más pesada en el lado izquierdo de su cuerpo. Ouais, mon corps du côté gauche est plus dense et plus lourd, puis j'ai de la difficulté à respirer aussi du côté gauche. Entonces una densidad, una pesadez en el lado izquierdo y también una dificultad para respirar del lado izquierdo. Okay. Ensuite, j'ai une présence qui s'exprime avec le son bas, qui est à l'intérieur de moi ou à côté de moi. Je ne peux pas dire. Avec le son. Ma, la vibration ma. Dice que siente como una presencia dentro de ella que se expresa a través del sonido ma, un sonido bajo. Ma. Oui, peut-être qu'il va s'exprimer aussi. Ça, c'était une inquiétude pour moi, mais en tout cas, ce sera ça. Ma. Il vient de s'exprimer. Ma. Dice que tiene un poquito de ansiedad. A dejar expresar esta entidad, dice que ahora mismo se acabó de expresarse. Pero que la sientes mentalmente, ¿no? ¿Tú la sens, tu l'entends mentalement? ¿O ça se représente physiquement también aussi? Ça se présente physiquement, verbalement, et puis c'est pour ou soit acquiescer à certaines informations, mais normalement, il se tient tranquille parce que je sens que c'est une entité masculine, mais lorsque je commence à en parler, il s'exprime verbalement face aux gens. No, es presente físicamente, verbalmente. Dice que es una entidad masculina que puede como evitarse participar en la conversación. Se impone. Ok. ¿Qué más? Quoi d'autre? Ensuite, ok, j'ai un blocage pour l'amour romantique, c'est-à-dire une certaine étape. C'est comme si je vois dans mon cœur, il y a quelque chose qui bloque, puis me montre des vies antérieures, penser à ça, ou une suite dans cette vie-ci. Ok, j'ai pas tout compris. Un blocage au Un niveau blocage. de la vie relationnelle, sentimentale? Oui, exactement. Bueno, dice que quiere trabajar sobre un bloqueo de su vida sentimental, romántica. Oui. Ensuite, du point de vue santé, la glande thyroïde fonctionne mal. J'aimerais bien aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est énergétique ou pas? Quiere saber si la irregularidad de funcionamiento de su tiroides tiene una origen esotérica o no. Silement dans les oreilles. Un zumbido en las orejas. Problèmes de peau qui sont apparus depuis environ 3 ans, 4 ans, sporadiquement. Dice que padece de problemas de piel desde 3 años, unos 3 años. Vis-à-vis du foie, c'est quand même assez récurrent. Faut tout le temps que je fasse attention aux aliments. Dice que tiene que cuidar su alimentación, que sufre de problemas de hígado. Ma fille est pareille aussi. Y su hija también. Et puis ensuite, j'aimerais aller investiguer vis-à-vis la couleur bleu indigo. La minute que je vois du bleu indigo, c'est comme si j'entrais dans une dimension, une autre dimension. Dice que quiere indagar también. Sobre lo que le provoca el color índigo. Dice que cuando mira este color se está como moviendo en otra dimensión. Ensuite, comme dernier point, un petit peu avant, les odeurs. C'est parce qu'il y a certaines odeurs, on dirait qu'il y a des présences qui sont à côté de moi qui veulent que je ressente leur présence par des odeurs. Ce serait simplement pour confirmer ou infirmer. Y tiene una duda, dice que
Quiere saber si unas entidades que se acercan a ella intentan como expresarse a través de los olores. Olores. Et ensuite, comme dernier point, c'est mon fils. Mon fils, il a de la difficulté à avancer, à être sur Terre, à vivre sur Terre. Il ne s'occupe pas de son corps. Il n'est pas là. Il ne fait absolument rien que des sports extrêmes. Okay. Y último punto, quiere ponerse en contacto con su hijo. Dice que no se cuida, no cuida su cuerpo, no se cuida como si no tenía ganas de estar acá y siempre se dedica a deportes extremos. Okay. D'accord. Cuando quieras, empezamos. Donc, si tu te sens prête, on peut Oui. commencer. Je le dis, je suis nerveuse. Tengo que decírtelo, me siento muy nerviosa. Esto es normal. Si tú no estuvieras nerviosas, yo pensaría que tú tienes un problema. Ok. Il dit que c'est normal, il dit que ça serait le cas contraire qui l'inquiéterait. C'est tout à Ah fait oui. normal que tu te sentes nerveuse, oui. Ok. Ok. Normal estar nerviosos, claro, es normal. Ok. Est-ce que c'est correct comme ça? Oui. Ok. La veste bien? Sí. Ok. Bien, ahora vamos a pasar primero por una inducción rápida. Y si no es suficiente, seguimos con la inducción. Donc, d'abord, nous allons passer par une induction dite rapide. Et si cela ne porte pas ses fruits, nous continuerons avec une induction normale. D'accord. Ahora voy a contar de 10 a 1 lentamente y te relajas. Maintenant, je vais compter de 10 à 1, lentement. La seule chose que tu dois faire est te détendre. 10. Nueve, Neuf, ocho, huit, siete. sept. Cuento de 1 a 3. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Mientras cuento, vas
a un recuerdo o a un sueño. Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. ¿Qué estás recordando, Susan? De quoi te souviens-tu? Présentement, ça serait une maison, la maison avec la famille, mais il y a beaucoup d'émotions qui sont négatives. La casa familiar, pero hay muchas emociones negativas. Cuéntame, ¿qué sucede en este recuerdo? Raconte-moi ce qu'il se passe dans ce souvenir. C'est surtout les émotions négatives qui sont dans le cœur, qui sont bloquées, qui ne veulent pas sortir. Siento como unas emociones negativas bloqueadas en mi pecho, no quieren salir. ¿Qué tipo de emociones son? ¿De quel type d'émotion s'agit-il? C'est parce que c'est dangereux pour moi. Porque están como peligrosas para mí. ¿Qué sientes exactamente? Que ressens-tu exactement? Il y a de la colère, mais je ne sais pas si ça vient de moi, ça vient de l'extérieur. Rabia, pero no sé si viene de mí o del exterior. Observa esta rabia, si está en tu cuerpo, ¿dónde la sientes? Observe cette colère. Dis-moi si elle est dans ton corps. Oui, elle est dans mon corps, puis j'ai vraiment peur. En mi cuerpo y tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué está pasando? Pourquoi as-tu peur? Que se passe-t-il? C'est de la colère face à moi. Il y a quelqu'un qui a de la colère face à moi. Hay alguien muy enojado frente a mí. ¿Qui est-ce? ¿Qui es? Je pense que c'est mon père. Creo que es mi padre. Puedes observar la escena desde arriba, desde el techo, sin sentir ninguna emoción. Tu peux observer cette scène depuis le toit, en dehors de ton corps, sans rien ressentir. Bien, dime de qué punto estás observando la escena. Dis-moi de quel endroit observes-tu cette scène? Je suis sur la toiture de la maison. Estoy en el techo de la casa. Bien, desde ahí puedes observar todo sin sentir ninguna emoción. Depuis cet endroit, tu vas pouvoir tout observer sans sentir aucune émotion. Oui, c'est en train de partir, sauf qu'il y a un enfant avec moi là. Ma! Hay un niño conmigo ahora. ¿Quién ha dicho ma? Qui a dit ma? C'est pas moi, c'est l'enfant. El Ma. niño. Dile que se presente delante de ti. Dime cómo es. Ma. Dis-lui de se présenter devant toi. ¿Cuántos años tiene? Quel âge a-t-il? En bas d'un an. Menos de un año. Observe el momento en que entró en contacto contigo. Observe maintenant le moment où il est entré en contact avec toi.
comme s'il était venu m'aider quand j'étais jeune. Moi aussi. Vino para ayudarme cuando era más joven. ¿Cuál es el momento? ¿Qué está sucediendo? Que se passe-t-il? C'est comme si l'enfant avait des ailes, puis je sais pas, il m'accompagne. Parece que el niño tiene alas y me está acompañando. ¿Dónde te está acompañando? ¿O es que él te acompaña? Il me tient par la main pour essayer d'avancer dans cette dureté. Me agarra de la mano para permitirme avanzar en esta vida dura. Observa si estaba contigo cuando tu padre se enojó, cuando entramos en sesión. Observe s'il était déjà avec toi au début de la session quand tu as vu ton père en colère. Il était là, mais pas si près de moi. Sí, era en la escena, pero más lejos. ¿Era la primera vez que entraba en contacto contigo, aquella? Cette fois-là était la première fois où il est entré en contact avec toi? Je peux pas répondre. No lo sé. Bueno, observa esta escena con tu padre enojado y dime qué está haciendo el niño. Observe cette scène où tu as vu ton père en colère et dis-moi ce que fait l'enfant. Là, je vois l'enfant devant moi comme s'il y avait une... Je m'étais apaisée. En tout cas, c'est lui qui veut parler. Ahora mismo el niño está muy cerca de mí y quiere hablar. ¿Dices en la escena con tu padre enojado o ahora? Ahora. ¿Con qué quiere hablar? ¿Avec qui souhaite-t-il parler? Avec Calogero. ¿Qué pasa, Susan? Cuéntame. Que se passe-t-il, Suzanne? Raconte-moi. C'est des émotions qui sont en train de sortir. Quand je rote, là, je m'excuse, hein, mais c'est des émotions qui sortent. Lo siento, son emociones que están saliendo cuando eructo. Pero son emociones negativas para ti o positivas. Des émotions négatives ou positives pour toi? Négatives qui sont en train de sortir, ça m'aide, ma. Negativas están saliendo. Negativas como? La rabia? S'agit-il de colère? De colère et d'agressivité qui étaient là, que j'avais peur. Y agresividad también. Miedo también. Des peurs également. Oui, les blessures. Heridas, sí. Tristeza. Des tristesses. Non, la dureté de l'extérieur. Non, el hecho que todo el mundo sea duro. Bien, ¿cómo se llama este niño? Quel est le nom de cet enfant? Ça me vient, chérubin. ¿Cómo? Chérubin, pero significa un rango en los ángeles. Querubino. Okay. Querubino, sí. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Pourquoi souhaite-t-il me parler? Je sais pas, l'émotion est en train de monter dans ma gorge. No lo sé, hay una emoción grande que están subiendo a mi garganta. Pero dime qué emoción es importante. Dis-moi, de quelle émotion s'agit-il? C'est important. L'amour. 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 Vale. Pregúntale, Susana, a este ángel querubín, ¿cómo se llama? Tu vas demander maintenant à ce chérubin quel est son nom. Je sais pas, moi. No sé. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Pregúntaselo a él.
Pourquoi est-ce qu'il veut me parler? Demande-le lui. Il veut te dire des choses, ma. Quiere decirte cosas. Ya, pero necesito saber cómo se llama para poderme dirigir a él. Avant de pouvoir lui parler, j'ai besoin de connaître son nom. Ok, il a changé de position, il est rentré en moi, il est en moi là, il est pas face à moi, ma. Ahora no está más frente a mí. Entro en mí. Dile que salga. Ah, no, pero primero dime, ¿en qué parte de tu cuerpo se ha puesto? Dis-moi dans quelle partie de ton corps est-ce qu'il s'est mis? Là, il est en haut, à partir de la gorge jusqu'à la tête, ma. La garganta y la cabeza. ¿Ha elegido alguna parte del cuerpo? O sea, ¿la derecha o la izquierda? A-t-il choisi la partie gauche ou la partie droite de ton corps? Gauche, ma. Izquierda. Izquierda. ¿Es él que te procuraba esta densidad tan pesada en la parte izquierda? Est-ce que cette densité si lourde dont tu nous parlais est due à cet être? Peux pas répondre, mais je sais que c'est plus lourd de ce côté-là, puis il tend à sortir de mon côté gauche, là, par en haut. No lo sé exactamente, pero cuando quiere salir, sale de la parte izquierda. Se apoya también al pulmón. Est-ce qu'il s'appuie ou appuie sur le poumon? Là, il est en haut du poumon, à partir d'en haut du poumon jusqu'à montant du côté gauche. Sí, está en la parte superior de mi pulmón. Bien, ¿y por qué ahora ha entrado en tu cuerpo? ¿Pourquoi vient-il d'entrer dans ton corps? C'est comme s'il était à côté, à ma gauche, du côté gauche. Está a Comme mi s'il lado, mi lado izquierdo. Ok, dile que Moi. salga, dile que salga, que se presente delante de ti y así hablamos. Tu vas lui dire maintenant de sortir de ton corps, ainsi nous allons pouvoir nous parler. ¿Por dónde sale? De quel endroit de ton corps sort-il? Suzanne. Oui, j'entends, mais ma. C'est comme si la densité est où le cœur du côté gauche, ma. ¿Puedes repetir que no entiendo? Tu peux répéter, Suzanne? Il y a une densité, ça fait comme une boule où mon cœur du côté gauche, parce que là, je le vois pas, là, ma. No lo veo más, pero si en estoy sintiendo como una bola en la zona del pecho. ¿En la parte izquierda? Côté gauche. Oui. Mira, lo voy a llamar Ma. Je vais l'appeler Ma. Ma. Ahora dile a Ma que salga de tu cuerpo y se presente si quiere hablar conmigo. Maintenant, tu vas dire à Ma de sortir de ton corps s'il souhaite me parler. Dime, Suzanne, de qué parte de tu cuerpo sale. Dis-moi de quel endroit de ton corps sort-il? Ma. Il y a une ouverture qui se fait au mon côté gauche, ou le cœur, mais c'est plus dense et on dirait ça fait mal. Ma. Hay una apertura que se está creando del lado izquierdo en la zona del pecho y duele. Bien, cuando haya salido por completo, me avisas. Quand il sera complètement sorti de ton corps, tu me le dis. C'est comme s'il y avait des crochets. Il veut pas sortir. Ma. Ok, c'est Ma. arrivé. Hay como ganchos. Un gancho. ¿Con esos ganchos está conectado contigo? Est-il connecté à travers ces crochets? Oui, il y a des liens, il y a des fils. Ma. Si hay hilos. Vale. ¿Ha salido, aunque esté conectado? Est-il sorti? Même s'il est connecté, il peut sortir. Oui, c'est en train de sortir avec des molécules tranquillement qui s'étirent. Si está saliendo tranquilamente, veo moléculas que se despegan. Bien, cuando está fuera, cuando esté perfectamente fuera, me lo dices. Quand il sera complètement sorti, tu me le dis.
C'est comme s'il y avait la colère aussi là-dedans. Ma. Adentro de eso siento rabia también. ¿Adentro de qué? De él. À l'intérieur de lui. Oui, les molécules qui sortent, là, c'est comme si il y a une colère qui s'installe, qui ne m'appartient pas. Ma. Las moléculas que están saliendo de mi cuerpo llevan rabia que no me pertenece. Ya. Ahora yo cuento de 1 a 3. A 3, ma está fuera, delante de ti. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, ma sera complètement sortie de ton corps. 1, 1, 2 2, y 3. Fuera. dehors. Bien. Ahora dime Oui. dónde se ha metido. Où est-il? ¿En qué parte de la habitación? Dans quel endroit de la pièce? Ok, il y a une énergie qui est ici devant moi, mais qui a un lien qui est rattaché à mon cœur. Ma! Hay una energía afuera que está vinculado con mi corazón. Bien, dile que se meta, que se ponga delante de ti y dime qué forma tiene este ma. Tu vas lui dire maintenant de se mettre juste devant toi et tu vas me dire quelle forme il a. Je vois une couleur jaune, puis c'est rattaché aussi avec mon bras, tout mon bras jusqu'au cœur, ma. Lo veo amarillo y está conectado también en mi brazo hacia mi corazón. Ya, pero ¿tiene forma de niño con alas? Est-ce que tu le vois sous la forme d'un enfant avec des ailes? Como me dijiste antes. Comme tu m'as dit avant? Je vois un enfant aussi, mais avec une forme jaune. Là, il y a du jaune qui est apparu, comme un rond. Ma. Veo un niño, pero veo una forma amarilla también. Bien, ¿me dejas hablar con Ma? Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui, Ma. Hola, Ma, ¿me oyes? Bonjour, Ma, est-ce que tu m'entends? Ma. ¿Quieres hablar conmigo? Tu veux me parler? La densité est plus grande, là, ça. Ma, dans. Ma. Ella dice la Ma. densidad es más grande. ¿Quién eres? ¿Eres Ma? Ma. ¿Qui Ma. Ma, ¿por qué quieres hablar conmigo? Dime. Pourquoi est-ce que tu souhaites me parler? Dis-moi. Ok, je veux pas que tu y touches. Ma! No quiero que la toque. ¿Por qué? Pourquoi? Elle a une sensibilité. Va. Tiene una sensibilidad. Ma! Tú me conoces, Ma. Est-ce que tu me connais, Emma? Ma. ¿Sí o no? Oui ou non? Tout le monde te connaît. Todo Ma. el mundo te conoce. ¿Y tú dónde me conociste? Où est-ce que tu m'as connu, toi? Ma, dans d'autres vies. Ma. Otras vidas. ¿Y cuánto tiempo llevas con Suzanne? Depuis combien de temps es-tu avec Suzanne? Ma. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps? Des siècles, ma. Siglos. Ahora déjame con Suzanne. Maintenant, laisse-moi avec Suzanne. Suzanne, Oui, ma. ¿cómo te sientes? Comment est-ce que tu te sens? Lorsque c'est lui qui parle, ma, il y a une concentration des molécules, il y a une concentration de densité, mais c'est comme si moi, il y a Suzanne, puis il y a l'autre, ma. Quando habla elle,
Cuando habla él, hay como una concentración de las moléculas, una densidad más pesada. Bien, ahora no quiero que lo canalices. Je ne veux plus que tu le canalises. Dile que Ma! se quede allí sin moverse. Tu vas lui dire de rester tranquille, sans bouger. Y cada vez que te hace decir ma, tú le dices de estar parado y tranquilo. Chaque fois qu'il essaie de s'exprimer avec toi en disant ma, tu vas lui dire de rester tranquille. Bien. Ahora quiero que observes a los ojos a ma. Maintenant, je veux que tu l'observes dans les yeux. Ma. ¿Qué ves, Suzanne? Ma. Que vois-tu, Suzanne? Là, je vois du blanc. Ma. Blanco. Mais il y a une profondeur de noir derrière ce blanc. Ma. Y atrás se ve negro. Bien, ahora quiero que leas su código genético, su ADN. Je veux que tu lises maintenant son code génétique, son ADN. Des écailles, ma. Escamas. Dime qué forma tiene ahora. Quelle forme a-t-il maintenant? Je le vois pas parfaitement, mais il y a une queue, ma. Comme un batrace. No lo veo perfectamente, pero tiene una cola. Bueno, mientras los vas viendo más detalles. Plus tu vas le regarder, plus des détails vont apparaître. Empecemos por la cabeza. Dime cómo es en la cabeza. On commence par sa tête. Dis-moi comment est sa tête. Je vois. Bon, il y a des yeux jaunes, des mains avec des bouts de. C'est comme un batracien, comme. Puis sur son cou, il y a des pointes, là. Comme une iguane, moi. Parece como una iguana, tiene ojos amarillos, tipo escamas. Una Ok, iguana. ¿y cuánto es de alto o alta? ¿Cuál es su talla? ¿Cómo mesure-t-il? C'est petit, là. ¿Mm? Ben, je... ma. Se está Change de escondiendo. grandeur, ma. Está cambiando de tamaño. Dile que se ponga pequeñito. Dis-lui maintenant de se faire tout petit. Tú mandas. Oui, c'est fait. Ma. Ok, hecho. Bien, ¿cuánto es pequeño ahora? Combien mesure-t-il maintenant? C'est comme si c'était le même, mais il y en a, il est petit d'un pouce, comme il peut être plus large, mais plus les molécules se touchent pas, la densité est moindre. Ben. Dice que es más pequeño con una densidad menos elevada. Observa en esta vida, Suzanne, cuándo se conectó por primera vez contigo. Maintenant, tu vas observer la première fois où il s'est connecté à toi. Ouais, j'étais en tristesse. Ma! Me sentía triste. ¿Cuántos años tienes, digo, en el momento cuando tuvo el primer contacto? Quel âge avais-tu lorsqu'il y a eu ce premier contact? Ça fait très très longtemps. Ma! Hace mucho, mucho tiempo. Dime, ¿cuántos años tienes en este momento? Quel âge avais-tu à ce moment-là? Dans une autre vie. Bah! Une autre vie. Vamos allí. Allons-y. ¿Qué año es? Ma. En quelle année cela se passe-t-il? 1816, 1876. Ma. 1816 ou 76. Bien, ¿tú eres hombre o mujer? Es-tu un homme ou une femme?
Une femme, une paysanne. Una mujer. Una campagne. ¿Cómo te llamas? Quel est ton nom? Ma. ¿Cómo te llamas? Quel est ton nom? Gislaine. Ma. Gislaine. Mira, ahora le dices a Ma que me deje trabajar y que no interfiera. Maintenant, tu vas dire à Ma de me laisser travailler, de cesser d'interférer. Ya no tienes por qué decir más Ma. Il n'a plus de raison de dire Ma. Ordénaselo. Ordonne-le-lui. El poder es tuyo. Le pouvoir est en toi. Il est sorti par mon bras. Ma. Salió de mi brazo. Bien. Ahora dime, ¿cómo te llamas en esta vida? Maintenant, dis-moi, quel est ton nom dans cette vie-là? Ghislaine, je suis paysanne française. Ma. Non. Ma. Ghislaine. Et c'est pas ça en français. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Qu'es-tu en train de faire? Raconte-moi. J'ai une gerbe de blé, mais il y a plein d'hommes de mon côté gauche qui sont là en arrière. Estoy trabajando en el campo y hay muchos hombres atrás. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad as-tu? Début de la vingtaine, fin de 16 ans, 20 ans. Ma. 16, 20. Bien. ¿Cómo has dicho que te llamas? Ghislaine. Ghislaine. Ok, cuéntame, ¿qué pasa, Ghislaine? Raconte-moi ce qu'il se passe, Ghislaine. Je suis dans un champ, puis il y a trois hommes qui sont de mon côté gauche. Ma. Là, le ma est autre chose que le batracien. Ma. Estoy en un campo. Estoy viendo tres hombres atrás de mí. Y el ma, en esta vida, es otra presencia que el este ser. O sea, ¿estás diciendo que ma en esta vida era una persona? Tu veux dire que ma dans cette vie-là était une personne? Non, là, présentement, je sens le ma, là. Il est dans le milieu de mon cœur, dans mon corps, dans le milieu ma. Está en el medio de mi cuerpo, ahora mismo, en esta vida. O sea que ya ha entrado en tu cuerpo. Il est déjà entré dans ton corps. Il est où mon cœur, moi? J'ai une pression au mon cœur, j'ai une densité au mon cœur. Hay una presión en mi corazón, una densidad. Ya, pero Ghislaine, vamos al momento cuando tuviste el primer contacto con Ma. Allons, Ghislaine, au tout premier contact avec Ma. Il y a les trois hommes qui sont là, puis le Ma est arrivé devant moi. Ma, c'était une énergie. Veo los tres hombres atrás y la energía, el Ma, se está acercando y entra en mí. ¿Es la primera vez que entra en ti? ¿Es que c'est la première fois qu'il entre en toi, la toute première fois? Je ne peux pas répondre. No lo sé. Bien, ¿y por qué está entrando en ti? ¿Tú cómo te sientes en este momento? Pourquoi entre-t-il en toi? Comment te sens-tu, toi, à cet instant précis? Je suis apeurée, c'est pour ça que c'est rentré. Ma. Entro porque me sentí asustada. Porque estás asustada, Ghislaine. Pourquoi as-tu peur, Ghislaine? À cause des trois hommes qui sont là derrière, ma. Porque hay estos tres hombres atrás. Bien, cuéntame qué sucede. Avanza. Avance dans ce souvenir. Raconte-moi ce qu'il se passe. Ma. Ils me veulent du mal, ces trois hommes-là. Ma. Quieren hacerme daño estos hombres. Avanza. Dime qué pasa. Avance. Dis-moi ce qu'il se passe. Je vois une faux. Ma.
Estoy viendo una herramienta de campesino. Sí. Je cours, ma. Estoy corriendo ahora. Háblame, ¿qué pasa? Parle-moi, que se passe-t-il? Là, je suis pris à un mur ou un muret, puis là, je suis face aux hommes, puis ma. Hay una pared y ahora los tres hombres están conmigo. Puis commence à me déshabiller, à déchirer mes vêtements. Ma. Están sacando mis ropas. J'ai toujours une pression qui est là. Siento una presión acá en el pecho. ¿Cómo te sientes en este momento, Gislaine? ¿Cómo te sens-tu à cet instant précis, Ghislaine? J'essaye de sauver ma vie. Intento salvar mi vida. Bien, ahora para el tiempo. Arrête le temps maintenant. Todo se para. Tout s'arrête. Solo tú puedes moverte porque es tu tiempo. Tu es la seule à pouvoir maintenant te mouvoir. C'est ton temps. Bien, puedes observar todo desde afuera de tu cuerpo. Tu peux tout observer en dehors de ton corps. Puedes moverte, no tienes límite ni de tiempo ni de espacio. Tu peux te mouvoir où tu le souhaites. Tu n'as pas de limite de temps ni d'espace. Bien. Ahora, dime. ¿Qué emociones estás sintiendo en este momento? Maintenant, dis-moi quel type d'émotion te traverse à cet instant. Là, je n'ai pas d'émotion, c'est je suis rendu au-dessus de mon corps. C'est comme si on était en train de discuter avec des chérubins, puis moi, je peux monter plus haut en disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là, ma? Estoy como alejada de mis emociones, estoy como charlando con unos querubinos. Muy bien, este querubín es Ma. Est-ce que le chérubin avec qui tu parles est Ma? En tout cas, ça, la même forme de tête parce que c'est des cheveux bouclés. C'est comme si je montais en haut dans une autre dimension. Tengo la impresión de subir en otra dimensión y veo su cara con sus cabellos rizados. Gislen, ¿tú has pedido ayuda a alguien? As-tu demandé de l'aide à quelqu'un? Oui. ¿A quién? À qui? J'ai demandé au ciel de m'aider. Pedí ayuda al cielo. Al cielo. ¿Y cuándo fue que pediste ayuda? ¿Exactamente en cuál momento? ¿A quel moment exactement as-tu demandé de l'aide? Je suis pris où il y a le muret derrière moi, il y a les hommes devant moi, et moi je suis sorti de mon corps, puis je suis monté en haut. C'est lumineux, puis comme si j'étais lumineuse, je suis plus dans mon corps, puis il y a plein d'êtres qui sont là. Ma. En esta escena, la pared está atrás de mí, los tres hombres frente a mí, y estoy saliendo de mi cuerpo, me veo luminosa y ahí está Emma. Bien, ¿aceptas la ayuda de Emma? Ayuda. ¿Tú has aceptado la ayuda de Emma? Je peux pas répondre, je suis en train de voler en l'air, non? J'ai été retrouver ma famille, ma. Estoy flotando, no lo sé, estoy viendo mi familia. Bien, mientras estás flotando, viendo tu familia, observa tu cuerpo físico. ¿Qué está pasando allí? Pendant que tu flottes, pendant que tu revois ta famille, observe ton corps physique. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? C'est figé, mais moi je veux m'en aller, je veux pas revenir. Je vais me promener. Ma! Todo está como fijado, me quiero ir, no quiero regresar. Pues sigue la escena, suelta el tiempo y dime qué pasa.
Avance dans cette scène. Dis-moi ce qu'il se passe. Je monte de plus en plus haut. Sigo subiendo, mas arriba. Il y a des anciens. Ma. Hay como ancianos. Ya. Observa tu cuerpo en la tierra. ¿Qué pasa en la tierra? Observe ton corps sur terre. Que se passe-t-il? Je ne veux plus aller sur terre. J'ai quitté la terre. Ma. No quiero volver a la tierra. No quiero. Quiero saber si tu cuerpo está muerto. Je veux savoir si ton corps est mort. ¿O estás viva? Je suis partie avant de mourir. Ma. Me fui antes de morir. Pero dime cuándo te vas a morir. Dime cuándo fue. Quand est-ce que tu es morte exactement? Regarde. Je vois mon corps par terre, ma, mais j'ai quitté mon corps avant que mon corps tombe par terre, ma. Mi cuerpo está en el suelo, pero lo dejé antes de que se muera. ¿Esos hombres te han violado? Est-ce que ces hommes t'ont violé? Je peux pas répondre, ma. No lo sé. ¿Y cuál ha sido la causa de tu muerte? Quelle a été la cause de ta mort? La violence. La violencia. Exactamente, ¿cuál herida te provocó la muerte? Quel type de blessure a causé ta mort? Je vois un couteau, ma. Veo un cuchillo. Un cuchillo, ok. Bueno, entonces sales con este ángel. ¿Y a dónde vas? Alors, tu es sorti avec cet ange. Où êtes-vous allé? Je suis ailleurs. Ma, je vois la planète Terre devant moi, mais je suis loin, loin, loin. Ma. En otro lugar. Estoy viendo la planeta Tierra, pero estoy muy, muy lejos. Bien, continúa, avanza. Avance, continue. Je vais retrouver les miens. Ma. Estoy regresando a los míos. Continúa, avanza. Avance, continue. Mais pendant que j'avance, que je monte, j'ai toujours une pression au cœur. Ma. Mientras subo, sigo sintiendo esta presión en el pecho. Contigo está el ángel. L'ange est toujours avec toi? Oui, il y a plusieurs énergies qui sont autour de moi, que c'est blanc et bleu. Mais j'ai un lien qui reste à la terre. Hay muchas energías azules y blancas alrededor de mí, pero queda como un lazo de mi cuerpo hacia la tierra. ¿Todavía tu cuerpo físico no ha muerto? ¿Es que tu cuerpo físico es muerto? Oui, mais j'ai un lien énergétique qui me retient à la terre. Ma. Sí, está muerto, pero un lazo energético me mantiene como atada a la tierra. ¿Cuánto dura este lazo? Combien de temps va durer, va rester ce lien? Ma. Il est toujours là, ce lien. Ma. Quand je laisse du monde derrière moi. Ma. Siempre está el lazo, no okay, se rompe. Ahora avanza hasta un momento importante. Avance maintenant jusqu'à un moment important. Je suis toujours sur une planète qui a plein d'énergie, ma. Estoy en una planeta llena de energías. ¿Quién está ahí contigo? Qui est avec toi? Ma famille. Ma. Mi familia. Qui est tu famille? Qui est ta famille? Les anges. Los ángeles.
Ah, Los Ángeles. Bien. ¿Y cuánto tiempo pasa antes que tú vas a vivir la vida de Suzanne? Combien de temps va passer avant que tu ne vives la vie de Suzanne? Samedi siècle, ma. Siglos. Bueno, vamos al momento donde se decide la reencarnación en Suzanne. Allons au moment de ta réincarnation en tant que Suzanne. Je redescends, moi. Estoy bajando. Espera, no bajes ahora. Quiero saber quién es que decide tu reencarnación. Ne descends pas encore. Je veux d'abord savoir qui est responsable de ta réincarnation. Ça me dit les anciens, ma. Los ancianos. ¿Cuántos ancianos hay? Combien d'anciens y a-t-il? J'en vois un principal, ma. Uno principal. ¿Cómo se llama ese principal? Quel est le nom de cette prince, ce principal? Ça me vient Dieu, mais je vois une couronne avec des cheveux bouclés, comme s'il reliait avec le mât-mât. Me viene Dios y lo estoy viendo con pelo rizado y con una corona, pero tiene un lazo con ma. Tiene un lazo con mât. Ok, ¿y qué te está diciendo? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? De revenir sur Terre. De volver hacia la tierra. ¿Y por qué? Pourquoi? Aider. Ayudar. Mais je ne veux pas. Ma. Pero no quiero. ¿Por qué no quieres? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Parce que je sais vers quoi je vais. Porque sé exactamente lo que me espera allá. ¿Qué te va a esperar? Dímelo, cuéntame. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Ma famille va être difficile. Una familia difícil. Y entonces, si no quieres, ¿por qué vas a bajar? Alors, si tu ne veux pas, pourquoi descends-tu? Parce que la Terre est... Le changement de dimension de la Terre est pas loin. Porque el cambio de dimensión de la Tierra no está lejos. ¿Ima va contigo? Est-ce que Ma va venir avec toi? Oui. ¿Y cuando va contigo se queda conectado con ese Dios? Quand il va te suivre, est-ce qu'il va rester connecté à ce Dieu? Ah oui, là je vois que Ma a changé. Là, c'est comme un puits de lumière dans mon centre. Ma. Ma ha cambiado, es como un pozo de luz en mi centro. ¿Y tú por qué aceptas de ir a la Tierra? Pourquoi acceptes-tu d'aller sur Terre? Quand je vais être capable, bah. Quiero ser capaz. O sea, ¿aceptas el reto que te dan? Ma. Donc tu acceptes ce qu'il t'impose de faire? Samedi lumière, ma. Mais dis c'est loose. Mais il y a quelque chose qui s'est accroché en descendant, ma. Algo se enganchó cuando bajé. ¿Quién es que se enganchó? Qui s'est accroché? Avec la colonne de lumière blanche, il y a du gris qui s'est accroché, ma. Con la columna de luz hubo también un color gris que se pegó. ¿De dónde viene esta columna de luz? D'où vient cette colonne de lumière? Dans ma. Et arriba. ¿De dónde observa? Observe la source. Que vois-tu? Ça me dit un vaisseau, ma. Una nave. ¿Qué forma tiene esta nave? Quelle forme a ce vaisseau?
triangle, deux triangles qui se rejoignent par un cylindre. Ma! Dos triángulos y en el medio hay un cilindro. Bien. ¿Es grande o pequeño? Est-ce que c'est grand ou petit? Je peux pas répondre. No lo sé. Bien. Observa quién está dentro de esta nave. Observe qui y a-t-il à l'intérieur de ce vaisseau. Je vois une énergie là présentement. Estoy ahora mismo viendo una energía. Pero observa dentro de la nave. ¿Quién está? Observe l'intérieur du vaisseau. Qui y a-t-il à l'intérieur? Je vois présentement... Je vois surtout la robe. C'est une grande tunique. Ma... Veo una túnica grande. Sí, continúa. Más observas y más ves los detalles. Plus tu vas observer, plus des détails vont apparaître. Je suis à l'intérieur du vaisseau. Ma... Estoy a l'intérieur de la nave. ¿Qué ves? Que vois-tu? Comme si j'y étais télépathiquement. Moi, j'y suis pas, mais je peux voyager comme ça. Ma... Físicamente no estoy, pero puedo viajar telepáticamente. Claro, dime qué ves. Bien sûr, dis-moi ce que tu vois. Du côté gauche, c'est plutôt lumineux. Ma... Je vais aller avancer vers le côté gauche. Hay más luz del lado izquierdo. Voy a ir a ver esta luz. Il y a un vortex par là qui attire ma. Hay un vortex que me está como atrayendo. No, vete donde está el Dios, otra vez delante de él. Non, mets-toi devant ce Dieu. Ah. ¿Estás ahí? Tu y es. Oui, mais ce n'est pas un Dieu dans le vaisseau. Ma. Sí, pero en la nave no es un Dios. Y observo desde allí. ¿Quién hay en la nave? Qui a-t-il alors dans ce vaisseau? Qui est-ce? Bah. Quién? Qui est-ce? C'est comme s'il y avait quelqu'un de velu, poilu, ma. Alguien peludo. Bueno, ¿quién es más poderoso, el peludo o el dios? Qui est le plus puissant, cet être pelu ou le dieu? Bon, cet être pelu-là est une densité grosse, une densité qui est rustre, ma. La densidad del peludo es más fuerte, más pesada. Bueno, vamos delante de este Dios porque quiero hablar con él. Allons maintenant devant ce Dieu parce que je veux parler avec lui. ¿Cómo se llama? Ma. Quel est son nom? Ce dieu-là, comme j'ai nommé tout à l'heure, n'est pas au même endroit, c'est plus haut. El dios este es más arriba. Ok, comment se llama? D'accord, dis-moi quel est son nom. Jésus. Jésus. Pregúntale por qué quiere que te reincarnes. Demande-lui pourquoi souhaite-t-il que tu te réincarnes. Là, il faut que je vous dise, quand je parle de Jésus ou de Dieu, c'est du côté droit, puis l'être velu est du côté gauche. C'est dans ma partie gauche, ma. Tengo que decirles algo. Cuando hablo de Dios o de Jesús, es como si ocupaba mi parte derecha. Y cuando hablamos del ser peludo, es como si ocupaba mi parte izquierda. Pregúntale a Jesús por qué quiere que te reencarnes. Demande à ce Jésus pourquoi souhaite-t-il que tu te réincarnes? Pour aider, ma. Para ayudar. Bien, me dejas hablar con él. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui, ma. Jesús, ¿me oyes? Jésus, est-ce que tu m'entends?
Oui. Ma. ¿Por qué te haces llamar Jesús? Pourquoi te fais-tu appeler Jésus? Ma. ¿Por qué? C'est ce qui Pourquoi? doit être ma. Est-ce lo que debe ser? ¿Por qué debe ser Ma. así? Pourquoi est-ce que ça doit être ainsi? Pour suivre l'évolution, ma. Para seguir la evolución. ¿Y por qué está este ma con Gislaine? Pourquoi ce ma est-il avec Ghislaine? Pour l'aider, c'est la conscience. Para ayudarla es la conciencia. ¿Es su ángel de la guarda? Est-ce que c'est son ange gardien? ¿Y por qué estás llorando ahora? Pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? C'est la beauté naturelle. Est-ce la bonté naturelle? Ok, ahora déjame con Ghislaine. Maintenant, laisse-moi avec Ghislaine. Ghislaine. Ghislaine, ¿me oyes? Est-ce que tu Ghislaine, m'entends? oui, Ghislaine est du côté gauche, puis l'autre attend du côté droit. Ma. Ghislaine est del lado izquierdo et el otro del lado derecho. ¿Por qué se puso a llorar Jesús? Pourquoi Jésus s'est mis à pleurer? C'est moi qui ai pleuré de voir la beauté. Non, soy yo ¿Y que por qué lloré. lloraste? ¿Por qué lloraste? Pourquoi as-tu pleuré? Parce que je vois les deux côtés, un côté dense puis l'autre côté qui est léger. Estoy viendo los dos lados, un lado denso y el otro tan liviano con luz. Bien. ¿De dónde viene esta luz? D'où vient cette lumière? C'est le tout, moi. Es el todo. Observa de dónde viene. Observe d'où vient cette lumière. Il n'y a pas de limite, ma. No hay límites. ¿Es la misma luz que viste que salía del ovni? Est-ce qu'il s'agit de la même lumière que celle qui est sortie de l'OVNI? Pas du tout, c'est du côté gauche, ma. L'ovni, Non. ma. Non. Ok. L'OVNI viene del lado izquierdo. Ok, da igual. Ahora dime, Gislaine, ¿tú quieres reencarnarte? Maintenant, dis-moi, Ghislaine, est-ce que tu souhaites te réincarner? C'est pas Ghislaine qui se réincarne, c'en est une autre, ma. No es Ghislaine que se reencarna, es otra. Qui Parce que est-ce? c'est une autre densité, c'est la même âme, mais c'est une autre densité. Es la misma alma, pero con otra densidad. Ya, pero en la vida pasada era Ghislaine. Mais dans une vie passée, tu étais Ghislaine. Oui. Oui. Entonces ahora dime, ¿va a ser la vida de Suzanne la siguiente? La vie qui va suivre va-t-elle être celle de Suzanne? Oui, mais avec une conscience plus grande. Ma. Sí, pero está con una conciencia más grande. Bueno, ahora observa tu vida de Suzanne con Ma en ti. Dime si te gusta. Maintenant, observe ta vie de Suzanne avec Ma à l'intérieur. Dis-moi si cette vie te convient. La vie de Suzanne, oui, mais avec le ma, si c'est la densité, non, parce que Suzanne est coupée en deux ma. La vida de Suzanne, sí, pero con la densidad adentro, no, porque su cuerpo está cortado en el medio. Bien, entonces, ¿quieres desconectar de ma? Souhaites-tu te déconnecter de ma? Oui, ma. Bien, entonces, ahora dile a este Dios.
que tú no quieres a ma, que se lo lleve otra vez consigo. Maintenant, tu vas dire à ce dieu d'emmener avec lui ce ma, parce que tu ne veux plus de lui. Dime qué pasa. Et tu me dis ce qu'il se passe. Ma, la densité se ma volatilise ma. La densidad se volatiliza. Continúa, dime qué está pasando. Continue, dis-moi ce qu'il se passe. Mon, étant donné que mon corps est divisé en deux, c'est le côté droit est en train de prendre du terrain sur le côté gauche. Como mi cuerpo era cortado en dos, la parte derecha se está como expandiendo del lado izquierdo. ¿Dónde está Ma ahora? ¿O es Ma maintenant? Je le sais pas, Ma. No lo sé. No, no, lo tienes que saber, búscalo. Cherche-le. Il est plus petit que tout à l'heure. Il y a moins de pression, ma. Hay menos presión, es más pequeño que hace poco. Dile que salga completamente de ti. Dis-lui maintenant de sortir complètement de toi. Je vois un triangle, ma. Veo un triángulo. Continúa. Continue. ¿Qué pasa? ¿Qué se passe-t-il? Le triangle est en train de se forger un chemin du côté gauche pour sortir par ma main. Ma... El triángulo se está formando un camino para salir de mi mano izquierda. Bien. Ma... Continúa. Continue. ¿Qué sucede? C'est mon bras. Que se passe-t-il? Comme si il veut, le triangle va sortir par mon bras gauche. Puis moi, le triangle, c'est ma main maintenant. Ma. El triángulo está ma. Saliendo de mi mano izquierda. Ma. Mi mano es el triángulo. Continúa. Continue. Je ne sens plus mon côté gauche. No siento más mi lado izquierdo. ¿Qué está haciendo en este momento el Dios? ¿Qué fait en ce moment même le Dieu? Du côté droit, il est là au loin, puis il observe. Et là, mon côté gauche change de densité. Ma... El Dios está más lejos, está observando. Mi cuerpo del lado izquierdo está cambiando de densidad. Bien, continúa. Continúe. ¿Qué sucede? Que se passe-t-il? Un nettoyage côté gauche, ma. Et là, j'ai quelque chose sous l'épaule, ma. Se efectúa como una limpieza del lado izquierdo, pero algo está en mi hombro. Dile que salga. Dis-lui de sortir. Je vois un robot, ma. Estoy viendo un robot. Bien. Continúa. Dile al responsable de toda esta conexión que saque todo lo que no es tuyo. Tu vas dire au responsable de toutes ces connexions de venir enlever tout ce qui ne t'appartient pas. Dime quién viene. Dis-moi qui se présente.
C'est comme si c'était un extraterrestre, comme un R2D2. Parece como un extraterrestre, como en Star Wars, R2D2. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo ha enviado? Comme s'il est relié au vaisseau spatial, ma. Está vinculado a la nave. Ok. Dime todo lo que sacan. Maintenant, dis-moi tout ce qu'ils enlèvent de ton corps. C'est comme si j'avais un bras gauche articulé qui ne m'appartient pas, qui. J'ai comme si j'avais été réparé, ma. C'est comme si tenia. Un brazo izquierdo articulado, un brazo que había sido como arreglado. Bien, continúa. Va. Continúe. Dans mon dos, ma. Mi espalda también. Okay, muy bien. J'ai une plaque en arrière aussi où le bassin m'a. Una placa también. Un triangle m'a. Un triángulo. Mientras te están sacando todo eso que no es tuyo, dime, ¿por qué esta entidad te hacía decir ma? Pendant qu'il continue d'enlever tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps, dis-moi pourquoi cette entité te pousse à dire ma. C'est ici, vraiment ici, ça porte du sens. Puis je vois encore un chérubin, ma. Sale de mi pecho, ma. Estoy viendo un querubino. Querubino. Si. Ok, ils viennent de me montrer, j'ai un trou, puis ça va en arrière, j'ai un vortex en arrière, ma. Me están mostrando que tengo un agujero. En el pecho que va hacia atrás y es un vortex. Fuera todo eso, fuera. Tú debes absolutamente salir de tu cuerpo. Se está en salir por en arriba, ma. Está saliendo. Muy bien, no te preocupes. Très bien. Todos los ruidos que tú puedes hacer es normal, no te preocupes. Tous les bruits que tu peux faire ou émettre sont normaux, ne t'en fais pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qu'il se passe. J'ai mal au cœur. Me duele el corazón. Bien, fuera. Dehors. Fuera. Qu'il sorte. Par en arrière, ma. Está saliendo por atrás. Muy bien. Todo fuera. Tú dois sortir. Cuando haya salido por completo, me avisas. Quand tout sera sorti, tu me le dis. Muy bien. Très bien. Todo fuera. Tout va sortir. Tout. C'est comme si m'enlevait une peau ma, du côté gauche, ma. Es como si me sacaban una piel del lado izquierdo. Bien. Todo fuera. Puedes acelerar un poquito el tiempo. Tout doit sortir. Tu peux accélérer si tu le souhaites le temps. Hasta que es. Bien. Jusqu'à ce que tout soit sorti. Accélère le tiempo, todo fuera. Accélère le temps, tout doit sortir. Fuera. Dehors. C'est comme s'il y avait un château de cartes qui vient tout de tomber. Ma. Es como si un castillo de cartas está como cayendo. Bien.
Acelera aún más el tiempo hasta que todo esté fuera. Accélère encore le temps jusqu'à ce que tout ce qui ne t'appartient pas soit sorti de ton corps. Ahora cuento de 1 a 3. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. A 3. Todo está fuera. Quand j'aurai dit 3, tout sera sorti de ton corps. 1. 1. 2. 2. Et 3. 3. Todo fuera. Tout est sorti de ton corps. Ahora dime dónde está Ma. Maintenant, dis-moi, où est Ma? Je sais pas, mais moi, je suis dans les étoiles. No lo sé, pero yo estoy en las estrellas. Bien, ahora observa tu cuerpo en la tierra de Suzanne. Observe ton corps de Suzanne sur Terre. ¿Cómo lo ves? Comment le vois-tu? C'est comme si j'étais pas dans le corps de Suzanne. Je suis no ailleurs. No estoy en el cuerpo de Suzanne. Ya. Ahora vuelve otra vez a tu cuerpo. Pero entonces, reviens à ton corps. Attends. ¿Cómo te llamas? Quel est ton nom? Je suis dans les étoiles. Estoy en las estrellas. Bien. Ahora quiero hablar con Suzanne. Maintenant, je veux parler avec Suzanne. Suzanne? ¿Me oyes? Suzanne, est-ce que tu m'entends? J'ai de la misère à descendre dans mon corps. ¿Puedes repetir? Tu peux répéter? C'est comme si j'étais pas dans mon corps. No estoy en mi cuerpo. ¿Dónde estás? Où es-tu? Je suis dans le vide. En el vacío. Bien, ¿cómo te sientes? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Dans les étoiles, c'est des étoiles. Son estrellas, me siento bien. Muy bien. ¿Cómo sientes tu cuerpo? Comment est-ce que tu sens ton corps? Mon corps, il est là. Mais moi, c'est, je me vois avec une grande robe. Une robe transparente. Je ne suis pas dans la même densité. Mi cuerpo está, pero yo estoy en una densidad diferente. Me veo como con un vestido blanco transparente. Bien. Observa tu cuerpo. Observa la parte derecha, la parte izquierda. ¿Cómo las ves? Observe ton corps. La partie droite, puis la partie gauche. Dis-moi ce que tu vois. Je vois l'enveloppe du corps. Ma. Qui forme un tout, ma. Veo el cuerpo que forma un todo. Ahora cuento de 1 a 3 y a 3 quiero hablar con Suzanne perfectamente en su cuerpo. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, je veux parler à Suzanne qui est complètement dans son corps. 1 1 2 2 3 3 Ma. Je suis là accompagnée encore de ma. Ma. Estoy pero siempre acompañada de ma. ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿Dans quelle partie de ton corps se trouve-t-il? Il a changé de côté, il est du côté droit mais il y a moins de densité. Ma. Se puso del lado derecho, pero con menos densidad. Bien. Quiero que no te vayas por el astral,
porque vamos a perder tiempo. Je ne veux pas que tu ailles dans l'astral parce que nous allons perdre du temps. Quédate en tu cuerpo. Reste dans ton corps. Luego puedes ir a dar paseos, pero no ahora. Tu pourras aller te promener ensuite, mais pas maintenant. Oui, d'accord. Bien. Ahora lo hacemos de aquí, desde tu cuerpo, de la tierra. No maintenant, on le fait d'ici, depuis la terre. Bien. Ahora dile a Ma que salga de tu cuerpo, ahora mismo. Maintenant, tu vas dire à Ma de sortir de ton corps. Maintenant. Dime por dónde sale. Dis-moi d'où est-ce qu'il sort. Yen, du cœur. Ma. Bien. Cuando haya salido por completo, me avisas. Quand il sera complètement sorti, tu me le dis. Je vois un canal de lumière qui ouvre. Par en avant mon cœur. Et toi, viendo un canal de luz que se está abriendo del corazón. Bien, tiene que salir todo afuera. Tout doit sortir maintenant. Cuando haya salido todo afuera, dímelo. Quand tout sera sorti, tu me le dis. Acelera el tiempo. Quiero que esté todo afuera ya. Accélère le temps. Je veux que tout soit sorti maintenant. En avant. Oui, ma. Ahora dile a Ma que desconecte todos los implantes que tiene ahí contigo. Maintenant, tu vas dire à Ma de déconnecter tous les implants qu'il y a dans ton corps. Bien, dime qué hace. Dis-moi ce qu'il fait. Suzanne. Oui. Cuéntame. Raconte-moi. C'est comme si un siphon qui se fait puis part en avant ou à partir du cœur. Está como aparece como un siphon, algo que se está saliendo del corazón hacia abajo. Bien, todo fuera. Cuéntame. Tout doit sortir. Raconte-moi. C'est comme s'il y avait, comment on appelle ça, une douche, une chute. Une chute d'énergie, une chute d'eau. Est-ce comme s'il y avait comme une ducha ou une ducha? Bueno, ahora dime si sientes miedo. Tu vas me dire maintenant si tu sens encore de la peur. Non. Bien. Dime si sientes tristeza. Dis-moi si tu ressens de la tristesse. Non. Dime si sientes rabia. De la rage, de la colère. Non. Dime si sientes culpas. De la culpabilité. Non. Muy bien. Todo fuera, ya. Très bien. Tout doit sortir maintenant. Dime qué está haciendo Ma. Dis-moi ce que fait Ma. Je peux pas répondre. Non, je sais. Observe. Donde está? Observe-le. Où est-il? Si ça continue à sortir. Sigue saliendo. Bien. Accélère le temps pour que salga rápido. Accélère le temps afin qu'il sorte rapidement. Bien, cuéntame. Raconte-moi.
Ça travaille ici. Está trabajando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué est-il en train de faire? C'est comme s'il y avait une densité qui est en train de sortir, comme des amibes. Como si una densidad tenía ganas de salir. Bien, ha salido. Est-ce que tout est sorti? J'imagine. Lo imagino. Bueno, vamos a dar el golpe de gracia por otro lado. On va lui donner le coup de grâce maintenant. Ahora quiero que vuelvas a la vida de Ghislaine en el momento en donde tú estás por pedir ayuda. Maintenant, tu vas retourner dans la vie de Ghislaine au moment précis où tu t'apprêtes à demander de l'aide. Pero cuando aún no lo has pedido. Juste avant que tu demandes de l'aide. Bien, dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Il y a une énergie noire au-dessus de moi. Hay una energía negra encima de mí. Bien, los tres hombres están allí. Est-ce que les trois hommes sont devant toi? Oui. Bien, ¿sientes miedo? Est-ce que tu ressens de la peur? Présentement, non. Non. Bien. ¿Sientes alguna emoción negativa? Est-ce que tu ressens une émotion négative? Non. Bien. ¿Tienes todavía la idea de pedir ayuda, visto lo que has visto? Au vu de tout ce que l'on a vu, est-ce que tu as toujours envie de demander à l'aide? Non. Bien. Entonces dile a esta entidad negra que tú no quieres ninguna ayuda. Alors tu vas dire à cette entité noire que tu ne veux pas de son aide. Dile que se vaya. Dis-lui de partir. Para siempre. Pour toujours. Dime qué sucede. Dis-moi ce qu'il se passe. Entre moi et cette énergie-là, il y a un blocage qui s'est fait, puis je ne le vois plus. Je ne vois pas, mais je sais qu'il est au-dessus, mais il ne peut pas rentrer ma. Entre esta energía y yo se creó como una pared, un bloqueo. La siento, pero no viene. Bien, dile que se vaya definitivamente de tu esfera personal energética. Tu vas lui dire maintenant de quitter définitivement ta sphère énergétique. Oui, ça a changé de couleur. Ça s'est dispersé. Cambio de color se está como desapareciendo. Bien, cuando no la veas más, dímelo. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Oui, c'est beau. Bien, ahora sigue en esta escena en el campo y dime qué sucede. Maintenant, continue d'observer cette scène dans ce champ. Dis-moi ce que tu vois. Je tombe par terre. Estoy cayendo al suelo. Et là, je monte différemment en haut. Estoy subiendo, pero diferentemente arriba. ¿Estás muriendo? Est-ce que tu es en train de mourir? Oui. Bien. Je suis morte. Oui. Ya estoy muerta. Bien. ¿Y a dónde vas ahora? Où vas-tu maintenant? Je suis pris. On dirait, je vois que je suis pris. Mais je passe à travers les mailles. Les mailles d'un filet. Al principio me siento como atrapada
Y luego estoy como cruzando la malla, una malla. Logro pasar. Ahora vete a la dimensión de tu frecuencia ideal. Maintenant, tu vas aller à la dimension qui correspond à tes fréquences idéales. Oui. ¿Cómo te sientes allí? Comment te sens-tu? Très bien. Muy bien. Y ahora que estás allí, observa tu vida en la tierra de Suzanne. Maintenant, depuis cet endroit, observe ta vie de Suzanne sur Terre. ¿Cómo ves tu vida desde allí? Comment vois-tu ta vie? Meilleur. Mejor. Muy bien. Entonces ahora volvamos al momento presente de donde te estoy hablando. Maintenant, nous allons revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. Dime cómo sientes tu cuerpo. Dis-moi comment tu sens ton corps. Il n'y a pas de séparation entre mon gauche et mon droit. No hay separación en mi cuerpo. Bien, dime si tienes alguna dificultad en respirar. Dis-moi si tu as toujours des difficultés pour respirer. Non. Observa tu futuro, tu vida sentimental, ¿cómo la ves? Observe maintenant ton futur. Comment vois-tu ta vie sentimentale? Il y a quelque chose au cœur, mais la densité est différente. Hay algo en el pecho, pero la densidad es diferente. Observa qué es. Observe de quoi il s'agit. Je vois deux trous au cœur. Hay dos agujeros en el corazón. ¿Quién los puso allí? ¿Qui a mis sala? Dos agujeros, Je has dicho. le sais pas, mais excepté ces deux trous en arrière, dans le cœur arrière. Nada, dos agujeros atrás Sí, del corazón. pensaba aguja, no agujeros. Por eso. Bueno, cicatriza tus partes con tus frecuencias, tu energía. Tu vas remplir ces creux, tu vas cicatriser ces creux en les emplissant de tes propres fréquences, de ta propre énergie. Recupérate. Récupère complètement. Reenergízate con tus frecuencias. Réénergise-toi avec tes propres fréquences. Y ahora dime, ¿cómo ves tu futuro sentimental? Et maintenant, tu vas me dire comment tu vois ton futur sentimental. C'est bien, ça coule. Está bien, fluye. ¿Estás cansada, Suzanne? Est-ce que tu te sens fatiguée, Suzanne? Pas du tout. Non, para nada. Observa cuál era la causa esotérica, si la había, de tus problemas a la tiroides. Observe maintenant à quoi est dû ton problème à la thyroïde. Observe s'il y a une cause ésotérique ou pas. Il y a comme des molécules, une énergie qui entoure les glandes. Hay como unas moléculas que rodean a la glándula. ¿A quién pertenece? ¿A qui appartiennent ces molécules? Ça montre que c'est gris, je sais pas. No sé, pero es gris. Bien. Elimina lo que no es tuyo. Elimine tout ce qui ne t'appartient pas. Lo coges con tus manos y lo tiras por un portal dimensional. Tu récupères toutes ces molécules avec tes mains énergétiques et tu t'en débarrasses à travers un portail dimensionnel. Quita lo que no es tuyo, lo que no quieres. Tu te Ça me dit. débarrasses.
Ça me disait que c'était pour m'empêcher de parler. Servía para impedirme de hablar. ¿Lo quitaste? Est-ce que tu t'en es débarrassé? Oui, parce que c'est plus lumineux, il n'y a plus de gris. Sí, no hay más gris, es todo luminoso. Bien. Ahora observa si había una causa esotérica a tus zumbidos. Maintenant, observe s'il y avait une cause ésotérique à tes sifflements dans les oreilles. Oui, je vois des. Oui, comme des aiguilles, je ne sais pas comment dire, là, mais oui, dans les deux côtés. Sí, de los dos lados. Estoy viendo como agujeras. Bien. Tienes que recuperarte completamente. Utiliza tu energía, tus frecuencias para recuperar tu zona. Pour récupérer et réparer toutes ces zones affectées, il suffit que tu modules tes fréquences. Élève tes fréquences. C'est bon. Ok. Ya está. C'est bon? Oui, c'est bon. Comment te ves ahora allí? Comment est-ce que tu te vois maintenant? C'est que ça. C'est beaucoup léger. Je suis pas habituée à cet équilibre-là ou à cette intensité-là. Es más liviano y es extraño porque no estoy acostumbrada a esta densidad, Bien. este equilibrio. Ahora observa si hay alguna causa esotérica a tus problemas de hígado. Maintenant, observe s'il y a une cause ésotérique à ton problème de foie. Je vois un serpent. Une serpiente. Est allí. Il est toujours là. Bien. Dile que salga de tu vientre. Dis-lui de sortir de ton corps maintenant. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu me dis ce qu'il se passe. Ça me sort par la colonne vertébrale. Ça allait par la colonne vertébrale. Bien. Que salga todo. Tout doit sortir de ton corps. Dime, que pasa? Dis-moi ce qu'il se passe. C'est en train de se réparer. Ouais, il en reste un là, il trouve son chemin. Non? Oui, ma. Il est encore là. Il sait que c'est gay. Est la serpiente. Il s'agit simplement du serpent. Oui. Y este más es tu forma de reaccionar a las entidades exógenas que interfieren. Ce ma que tu prononces est seulement une façon pour toi de réagir à ces entités externes qui se présentent. Mais c'est acelera el tiempo hasta que la serpiente esté fuera. Accélère le temps jusqu'à ce que ce serpent soit sorti. ¿Dónde está la serpiente? Où est le serpent? Parti par la bouche, ma. En la boca. En la boca, qué boca. Quelle bouche? La mienne. La mía. Pues fuera de la boca, fuera del cuerpo.
Il doit sortir de ta bouche, sortir de ton corps. Ok, ma. Ok, ok. C'est beau. Je vais salir. Donde está la serpiente ahora? Où est le serpent maintenant? Devant ma. De frente. Bien, dile que elimine, remueva todos los implantes que tenía contigo y que se vaya por su portal dimensional. Tu vas lui dire maintenant d'enlever tous les implants qu'il aurait éventuellement placés dans ton corps et de partir par son propre portail dimensionnel. Je t'en ai travaillé. Dis-moi, que sucede, cuéntame. Que se passe-t-il? Raconte-moi. C'est en train de fourmiller. Ma. Comment? Pardon? Il y a plein de... C'est en train de partir, se sauver. Ma. Está saliendo. Se está como escapando. Bien. Cuando no lo veas más, dímelo. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. C'est beau. Ma. Ok. Observa dentro de tu cuerpo. Dime cómo lo ves ahora. Maintenant, tu vas observer ton corps de l'intérieur et me dire comment tu le vois maintenant. Il n'a jamais été aussi propre que ça. Donc, ha sido tan limpio. Observa si queda algo. Observe s'il reste quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps. C'est beau. Ok. Ahora. Lleva tus frecuencias a tu valor ideal, que es el valor que te hace sentir mejor. Maintenant, tu vas élever tes fréquences à leur niveau idéal, le niveau qui va te faire sentir le mieux possible. Y cuando te sientas estupendamente bien, dímelo. Et quand tu te sentiras parfaitement bien, tu me le dis. C'est beau. Ok. Comment te sientes? Comment te sens-tu? Légère. Liviane. Observa tu futuro général. ¿Cómo lo ves ahora? Maintenant, observe ton futur. Comment le vois-tu? Mon futur est dégagé. ¿Qué? Como liberado, liberado. Ah. Ok. No hay bloqueos. ¿Te sientes lista para regresar? ¿Es que tu te sens prête pour rentrer? Oui. ¿Tu parte subliminal quiere decirte algo? Est-ce que ta partie subliminale souhaite te dire quelque chose? Suzanne? C'est beau. Je me sens bien. Me siento bien. Ok. ¿Lista para regresar? ¿Tu te sens prête pour rentrer? Oui. Bien.
Voy a contar de 1 a 5 y regresas al presente de donde estoy hablando. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. 1. Un. Tu cuerpo empieza a despertarse y lo sientes retomar su fuerza. Ton corps commence à se réveiller. Tu récupères peu à peu toutes tes forces. 2. 2. Sientes tus frecuencias a tu valor ideal y te sientes maravillosamente bien. Tu sens tes fréquences atteindre leur niveau idéal et tu te sens merveilleusement bien. 4. 4. Acelerate un poquito el tiempo. Te sientes bien, relajada, tranquila y feliz. Et tu te sens maintenant bien. Tu te sens détendu, tranquille. Heureuse. Y 5. Abre los ojos. 5. Ouvre tes yeux. Bonjour. Bonsoir, madame Suzanne. Comment ça va? Ça va bien. Et mon doux, mon corps du côté gauche. Wow. Se siente super bien, sí. Bueno, estoy curioso, dime cómo te sientes. Ton état d'esprit. Très bien, heureuse et wow, en harmonie. Feliz en armonía. Wow, es internacional. Sí, oh. Lo he notado. ¿Y cómo te sientes físicamente? Físicamente, ¿cómo te sientes? Très légère, ouais. Muy ligera. Bueno, ahora te dejamos descansar, metabolizar la sesión. Maintenant, on va te laisser te reposer et métaboliser ta session, l'intégrer. Merci. ¿Quieres publicar o que se publique la sesión en YouTube? Est-ce que tu souhaites que soit publiée ta session sur le canal YouTube? Oui. ¿Quiere, bueno, y, ¿quieres decir algo antes de cortar la grabación? ¿Es que tú quieres decir quelque chose avant que l'on coupe l'enregistrement? C'est très bien, c'est au-delà de mes espérances parce que mon corps du côté gauche est vraiment, je le reconnais plus. Es muy bien, todo. La experiencia ha ido más lejos de mis esperanzas. Estoy como redescubriendo mi lado izquierdo. Bueno, déjanos saber qué tal te va en los próximos días o semanas, y si quieres, y te abrazamos. Donc, laisse-nous savoir dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent comment tu te sens. Et on t'accueillera avec plaisir pour avoir de tes nouvelles. Et on t'embrasse. Merci, merci beaucoup, Aurore et Calo. Merci à toi. Si on le sait, quédate en ligne. Reste un instant en ligne. Ok.